7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Eh non, je crois pas, non. Salut à toutes et à tous, c'est Chuck Dacrouge, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la My Week Clan les BH. Aujourd'hui, le gameplay de Force Nuclear Express réalisé en 74 secondes par OMW Twins avec la Razorback, voilà, sur la Combine de Call of Duty Black Ops 3, groupe de 2, donc allez le féliciter dans la description, il y a sa chaîne si vous voulez, ainsi que dans les commentaires pour lui dire bravo tout simplement et lâcher un maximum de likes si ça vous plaît. Et puis aujourd'hui, je voulais d'abord revenir dans cette vidéo sur ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier. Voilà, je parlais de 4 nouvelles armes qui pourraient arriver sur Call of Duty Black Ops 3 sous forme de leak, de code source, bref, allez la voir, je vous la remets en annotation et en description si vous ne l'avez pas vu. Voilà, je parlais de 4 nouvelles armes qui vont arriver dans le multiplayer, dans le marché noir, sauf qu'en y regardant de plus près, on nous parle de Pack-a-Punch, on nous parle aussi de Tesla Gun. Un Tesla Gun, c'était une rumeur qui, comme quoi il arriverait dans le Call of Duty Black Ops 2 au niveau du zombie. On nous parle aussi d'un Skull Gun, donc un pistolet à tête de mort, et donc ça nous fait penser que ça arriverait plus dans le zombie, dans le mode zombie, toutes ces armes, ces 4 nouvelles armes, plutôt que dans le mode multiplayer. Bref, on en saura un peu plus si ça sort, bien évidemment, c'est même pas encore sûr, mais je pense que y a plus de chances que ça sorte sur le zombie que sur le multiplayer. Ensuite, je vous laisse vous annoncer tout simplement un double XP sur Call of Duty Black Ops 3, que ce soit en mode zombie et en multiplayer sur toutes les plateformes. Ça commencera ce vendredi, aujourd'hui à 19h, et ça se terminera lundi 18 à 19h aussi. Ce double XP qui commence donc aujourd'hui vient là pour célébrer la sortie du DLC numéro 2 Eclipse sur Call of Duty Black Ops 3, qui sortira le 19 avril, et à partir d'aujourd'hui, en même temps que le double XP va s'activer à 19h, et bien vous allez avoir le premier gameplay. Ce sera sur la verge de Call of Duty Black Ops 3, le premier gameplay du DLC numéro 2 Eclipse. Ça se passera sur Code QG, sur la chaîne de Monsieur le V12, bref, sur les chaînes des youtubeurs qui ont été le voir. Donc voilà, n'hésitez pas à 19h à vous connecter pour voir le gameplay sur la première map du DLC numéro 2 Eclipse. Ensuite, samedi, ce sera la diffusion de la map Knockout, dimanche celle de Spire, lundi ce sera la map Rift ainsi que la présentation du zombie, et le mardi ce sera la sortie de ce DLC numéro 2 Eclipse. Est-ce que vous l'attendez? Dites-moi tout ça en commentaire, lâchez un maximum de likes pour les informations que contient cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur Alan My Way Clan. Allez, à plus les gens.